Rishi. Rishi! C'était quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, viens avec moi, viens avec moi. Je te dis de venir avec moi, ça sent pas bon dehors. C'était quoi? Et pourquoi ils t'ont tiré dessus? Ils viennent de partir. Je pense que ce sont les bandits qu'on a vus à la télé. Oui, c'est bien eux. Quoi? Oui. Les terroristes? J'ai vu qu'ils ont emmené vraiment beaucoup d'armes avec eux, tu sais. Où est Malaika? Malaika, elle est aux toilettes. À l'entrée? Oui. Mais laisse ça! Je regarde encore! Donne-moi ça, c'est mon tour! C'est l'heure je de mon film! Je ne te le donnerai pas à moi! D'accord, si c'est ce que tu veux. Anna, regarde un peu tes enfants. Ils ne cessent de se disputer. Ils se chamaillent surtout. Maintenant, c'est la télécommande. Des terroristes encerclent en ce moment l'hôtel Royal Dubar, d'absolument tous les côtés. Nous avons appris que les terroristes y sont entrés avec des armes et répandent une inquiétude dans toute la ville. Smiley, reviens sur cette chaîne. Il n'y a pas très longtemps, il s'avère que ces terroristes ont attaqué un ministère. Et malheureusement, des personnes ont été tuées. On vient de recevoir l'information qu'ils sont actuellement dans l'hôtel Royal Dubar. Restez tranquille, silence! Allez-y! Allez-y! Allez! 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 Qu'est-ce qui se passe? Enfin! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Allez, réponds-moi! La police sait qu'on est ici. On est encerclés, en fait. Maintenant, sans plus tarder, on vous emmène à l'hôtel Royal Dubar. Manav, notre correspondant, est présent sur les lieux. Maman, Rishi est dans cet hôtel. Le Royal Dubar. Comment ça? Vous voyez, il y a des policiers dehors. Donne-moi ça. Tiens. C'est à notre tour. On se fait tuer ou on les tue. Toi, jeune fille! Attends! Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi de là! Ce sont des tirs. Taisez-vous! Laissez-nous partir! Ayez pitié de nous! S'il vous plaît! Silence! Taisez-vous, sinon je vous tire dessus! Que personne ne bouge de sa place! Sinon je vous tue un à un sur place! Vous n'avez pas de cœur ni de tête pour nous, vous savez! On peut vous tuer! Si vous ne faites pas ce qu'on dit, on vous tire dessus! Une seule erreur de votre part et vous serez mort! Lève-toi! Vite! Dépêche-toi! Je vous en supplie! Marche! Ayez pitié de moi! Silence! Ferme toutes les portes et les fenêtres, tu m'entends? Si jamais quelqu'un jette un coup d'œil dessus, tu seras mort! Compris? Allez, détache-le! J'espère qu'elle va bien. J'espère que personne n'ira ici. Je pense qu'elle s'est cachée dans les toilettes en entendant les coups de feu. Les toilettes, ce sont celles à l'entrée? Oui. Je vais appeler. Elle doit rester là-bas. Ils vont l'attraper, si elle sort de là-bas. Oh non! Son téléphone est ici. Tu vois, elle me l'a donné avant d'aller aux toilettes. C'était très intelligent. Je vais la chercher alors. Ah, Rishi, tu ne peux pas y aller. Pourquoi? C'est dangereux. De plus, tu sais, je suis sûre que Malaika va sûrement bien. Grand-mère m'a demandé de ne jamais te laisser seule, tu comprends, Rishi? Et je sais que tu iras bien tant que tu es avec moi. N'y va pas, s'il te plaît, je t'en prie. Ne prends pas les paroles de grand-mère au sérieux, s'il te plaît. Pitié, regarde un peu. Maman, papa, Manpreet, Yuvraj, tout le monde s'inquiète pour moi. Si jamais cette situation revient, ils feront comme toi. Pourquoi vous me dites ça? Dis-moi, vous vous inquiétez pour moi? Mais pourquoi tant d'attention? Pourquoi vous êtes si inquiet? Écoute, tout ira bien, rassure-toi. Il ne va rien arriver. Il ne va rien m'arriver. Relax.
Je viens avec toi, Rishi. Tu as perdu la tête? Tu es folle? Rien ne va m'arriver. Je veux dire, rien ne va arriver à qui que ce soit. Reste là, je reviens. Non, je viens avec toi là-bas. Tanuja, je te dis non. Non, j'ai dit que j'irai avec j'ai toi. J'ai dit non. Reste, c'est comme ça, attends-moi là. Bon, très bien. À une condition. Comment ça, à une condition? Rishi, tu vas sortir. Mais s'il te plaît, quand tu sors, fais attention à toi, mais il ne faut surtout pas que tu joues le héros en sauvant des vies. Protège-toi. Si tu te fais attraper, je n'hésiterai pas à te suivre et ils vont m'attraper aussi. J'aurai un grand problème. Puis, on aura tous les deux un grand problème. Mais je tiendrai quand même ma promesse parce que pendant tout ce temps, je ne vais pas t'abandonner. Je resterai avec toi. Je te le promets, Rishi. Et j'ai aussi fait la promesse à grand-mère. À toi de voir alors. Non. Je ne ferai pas attention. J'ai une condition. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Lâche-moi d'abord. Pourquoi elle m'empêchait d'y aller? Comme si... Chef, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens! Il y a la police et les médias. Malaika est sûrement dans les toilettes. Mais ils vont aussi vérifier là-bas après. Mais avant qu'ils n'arrivent là-bas, je dois trouver un endroit où me cacher pour faire sortir Malaika de là. Vérifie ce qu'il y a là-bas. Écoutez-moi. Vérifiez toutes les portes et les fenêtres. Assurez-vous de bien fermer tous les rideaux. Personne ne doit voir ce qui se passe ici. S'ils voient quelque chose, ils vont préparer une attaque. Vas-y. La police appelle de ce téléphone. Surveille ces gens. Ça prend beaucoup trop de temps. Je vais leur parler. Allô? Écoutez, ici c'est le chef de la police. Écoutez-moi. Laissez partir tous vos prisonniers. On ne veut pas d'un bain de sang. Essayez de comprendre, s'il vous plaît. Relâchez-les immédiatement. Oui, inspecteur. Je vous ai parfaitement entendu. Maintenant, écoutez-moi bien attentivement. Et si jamais ma demande n'est pas respectée, je vais tous les tuer l'un après l'autre. Silence. Mes demandes sont les suivantes. Si seulement on ne m'envoie pas une camionnette anti-balles dans l'heure qui suit, alors... je les tuerai tous. On n'a pas vérifié la salle de bas. Je vais aller voir. Allez. Mon Dieu. Mais cet homme va aux toilettes. Mais c'est là que Malaika se cache. Rishi, je n'arrive pas à le voir. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Avance! Avance! Lâchez-moi! Je l'ai trouvé là-bas! Est en danger. Qu'est-ce que je fais? Fouille-la. Regarde si elle a un téléphone. C'est fait. Mais elle n'a rien. Laissez-moi partir. Tais-toi. Silence maintenant.
Attache-la. Allez. Mais tais-toi. Silence. C'est là chez moi. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Pitié. Pitié. Silence. Mais tais-toi. Sinon, je te tire dessus. Pitié. Calme-toi. Et même si je te tire dessus, tu n'auras même pas le temps de souffrir. Tu vas mourir. Dès la première seconde, ma belle. Bah. Mais où est le chef? Il prend trop de temps. Je vais aller voir. Attends, laisse-moi regarder. Et toi? Surveille-les tous. Nous n'avons pas encore de nouvelles venant de l'hôtel d'Urbar, devant lequel nous nous tenons actuellement. On nous a dit qu'il y a 5 terroristes à l'intérieur. Mais ce n'est pas confirmé si ce nombre est exact. Vous pouvez voir ici les forces spéciales de la police de Mumbai en pleine négociation avec les terroristes. Personne ne peut entrer à l'intérieur pour l'instant. On essaie quand même d'y entrer, mais la négociation est toujours en train de se tenir. Et dans un instant, ils vont mettre au point une stratégie. Rano, qui es-tu en train d'appeler? Malaika, vu qu'elle est partie avec Rishi, c'est possible qu'ils ont déjà quitté l'hôtel. Je dois le découvrir. Un appel. C'est entre Rano? Je lui dis quoi? Je décroche. Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Allô? Allô, Malaika? Malaika? Allô? Ma fille, est-ce que tu m'entends? Je comprends, ma fille. Dis-toi que je te comprends. Tu es en danger. Mais écoute-moi. Reste avec Rishi, je t'en prie. Et prends bien soin de lui. Je t'en supplie, hein? Il traverse une situation très difficile. Il peut être vraiment en danger. Tout le monde peut être sauvé. Mais Rishi est en grave danger, ma fille. Oui, ma fille. Il doit bien affronter ce danger. Est-ce que tu me comprends, ma fille? Partons d'ici. Hé ! C'était des tirs. Malaika, réponds-moi, est-ce que tu vas bien ? Dis-moi si mon fils va bien.
Mais où sont passés les autres? Le mec en costume gris les a détachés. Mon Dieu. Comment c'est possible? Trouvez-les. Allez-y. Réfléchis. Allô? Malaka, dis-moi, comment est-ce que tu vas? Comment va Rishi? Je vous le promets. Personne ne fera du mal à Rishi. C'était Anuja. Quoi? Et toi? Tu étais où? Je t'avais pourtant bien dit de les surveiller. Les coups de feu là, dehors, il y a un gros problème. Chef! La fille qu'on a frappée, elle vient de tout révéler. Je viens de la voir. Quoi? Ouais. Trouvez-la vite. Sinon notre plan tombera à l'eau. Allez-y, vite!